Dans un match de football, il y a plein d'informations et d'actions que l'on doit analyser pour effectuer le meilleur geste possible en fonction de la situation. Il y a plusieurs problématiques que l'on doit résoudre lors d'une action, comme par exemple quelle position d'attente j'utilise, à quel moment je bloque mes appuis et à quelle amplitude, quelle jambe je dois utiliser pour faire mon impulsion afin de plonger, plein de questions de ce style-là. En tant que gardien, on doit être en mesure de répondre à un maximum de questions possibles et c'est ce qui fait des gardiens intelligents. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer 3 techniques à ne surtout pas reproduire sur votre position d'attente avant de recevoir une frappe en match pour tous les gardiens de but. Bow. Récemment, j'ai vu quelques vidéos de gardiens qui m'envoient leur arrêt, mais certains d'entre vous ont cette position d'attente avant de recevoir cette frappe. Cette posture-là n'est pas une mauvaise posture à proprement parler, mais il faut savoir bien l'utiliser en fonction de la situation, et ça, beaucoup ne comprennent pas à quel moment il faut l'utiliser. En effet, dans un premier temps, cette posture très basse avec les genoux fléchis va vous ralentir dans votre plongeon puisque votre buse va devoir parcourir un grand chemin entre la posture et le point le plus haut lors du saut et ou du plongeon. Le fait d'avoir les jambes trop fléchies vous fait perdre également énormément en puissance et surtout en explosivité lors du plongeon. Cela vous empêchera alors d'aller chercher le ballon au ras du poteau ou en lucarne dû au fait que vous avez trop utilisé de puissance pour ne serait-ce relever vos jambes avant de sauter. De plus, le fait de tendre ses bras comme ça vers le sol est utile uniquement pour réduire la distance à parcourir entre vos mains et le sol. Mais on ne peut jamais être sûr que le ballon sera tiré au sol dans une situation où l'attaquant tire en dehors de la surface. Dans ce cas de figure, c'est même une grosse erreur, puisque si le ballon part mi-hauteur ou en lucarne, la distance que vos mains parcourront sera beaucoup plus longue que si vous gardiez vos mains de façon basique comme celle-ci. Et lors d'une frappe comme celle-ci, on ne peut pas se permettre de perdre ne serait-ce qu'une fraction de seconde, car parfois le ballon nous échappe pour 1 mm, et ce millimètre en question peut faire toute la différence dans un match. Pour conclure ce geste, cette posture est intéressante seulement lors d'une situation très rapprochée en face à face où l'attaquant a plus de chances de sécuriser la frappe en tirant au sol. Il faut que vous arriviez alors à bien faire la différence entre chaque situation afin d'utiliser cette posture au moment le plus opportun. Cependant, c'est une énorme erreur de l'utiliser quand l'attaquant se trouve hors de la surface à 20-25 mètres de votre but, car vous perdrez en amplitude, en puissance et en explosivité, et surtout vos mains qui ne sont pas du tout bien placées pour ça. La position de vos talons peut paraître anodin, mais en réalité, elle est parfois la cause de mauvais mouvements ou alors même d'un manque de puissance. Dans un premier temps, avant de recevoir la frappe, si vos talons sont collés au sol, vous aurez de très grandes chances d'être sur des appuis arrière lorsque vous allez faire votre arrêt. Inconsciemment, vous ferez votre plongeon vers l'arrière, vous utiliserez votre pied pour la repousser si elle arrive fort au sol sur vous, au lieu de faire une prise de balle au sol vers l'avant. En d'autres termes, vous finirez les fesses par terre parce que vous subissez le ballon, tout ça à cause de vos talons qui sont collés au sol. Vous l'avez bien compris, il ne faut jamais coller ses talons au sol avant d'effectuer une action, avant la frappe, avant une sortie ou avant n'importe quel mouvement. Mais à l'inverse, il est important aussi de ne pas trop les décoller du sol comme je le faisais il y a quelques années. En effet, le fait de trop lever ses talons du sol va vous faire perdre en puissance lors de la poussée pour effectuer votre plongeon. Vous n'avez pas d'élan sur votre cheville pour permettre d'avoir une meilleure amplitude lors du plongeon. Cette position trop élevée des talons vous limitera alors votre amplitude et vous fera perdre quelques millimètres voire centimètres sur votre plongeon. De ce fait, sur la position de vos talons avant d'exécuter un mouvement, il doit avoir un juste milieu pour optimiser votre puissance, votre vitesse et votre explosivité afin de mettre toutes les chances de votre côté pour réussir votre geste. Décollez alors légèrement votre talon avec un angle de 5 degrés par rapport au sol afin d'optimiser vos capacités physiques lors du mouvement et pour voir également attaquer votre ballon. Donc ne placez pas vos talons au sol ou trop les décoller si vous ne voulez pas finir les fesses à terre ou perdre de la puissance lors de votre poussée. Le blocage, comme moi je l'appelle, est le fait de bloquer ses appuis au sol au moment où l'attaquant adverse arme sa frappe. Il vous permet d'être sur vos appuis, prêt à réagir le plus vite possible. Le blocage est très important car il vous permet d'être très rapide sur vos appuis pour réagir face au ballon. Il faut savoir gérer son timing ainsi que son amplitude. Concernant le timing, il suffit juste de faire ce léger mouvement où on bloque nos appuis au sol au moment où l'attaquant adverse arme sa frappe afin d'avoir ses appuis au sol dès lors que le ballon est frappé. Un mauvais timing, comme par exemple vos appuis qui sont encore décollés du sol lorsque le ballon est frappé, vous fera perdre quelques centièmes de seconde.
Et dans ce poste-là où chaque millimètre compte, on ne peut pas se permettre d'avoir un mauvais timing. Maintenant que le timing du blocage est bien compris, on va parler de l'erreur qui se voit beaucoup chez les gardiens, dont moi y compris, c'est l'amplitude de votre blocage. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le blocage consiste à faire un léger mouvement de décollage du sol. L'erreur ici est de trop vouloir décoller les pieds du sol comme ici. Cette grosse amplitude vous fait perdre du temps et surtout de la puissance pour pouvoir effectuer votre poussée afin de plonger. Il est donc important de bien gérer son timing ainsi que son amplitude pour pouvoir être prêt pour réagir de la meilleure manière possible au mouvement que vous allez faire juste après. Le blocage est donc la transition entre votre position d'attente et votre plongeon. Il ne faut donc pas du tout négliger ça. Pour vous faciliter la tâche lors du plongeon, pensez à bien réaliser votre timing et votre amplitude lors du blocage. Voilà les gars, ce sera tout pour cette vidéo. Maintenant que vous connaissez les 3 erreurs à ne surtout pas reproduire lors de votre position d'attente avant de recevoir une frappe, vous n'avez plus d'excuses pour bien effectuer votre mouvement. N'hésitez pas à me dire en commentaire sur quelle thématique vous voulez que je vous parle sur les 3 erreurs à ne surtout pas reproduire. Je peux tout traiter. Et sur ce, si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu. Ça me donne beaucoup de force. Merci à vous tous pour le soutien. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.